Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le 29 juin prochain aura lieu le Festibio à Verteillac, près de Ribérac en Dordogne. Ce rendez-vous annuel autour de l'alimentation bio se déroule sur une journée, l'occasion de déguster de bons produits, mais pas que. Aujourd'hui, Monsieur Green reçoit deux membres de l'association Osons Bio, Jean-François Bittard. Bonjour. Et Gilles Van Rissel. Bonjour. Pour nous parler du festival. Bonjour à vous deux. Alors racontez-nous la création du festival. Alors le Festibio est une organisation de l'association Osons Bio qui elle existe depuis 2011. C'est une association qui a été créée à l'initiative de Jean-Paul Gady, alors maire de Saint-Paul-l'Isonne. Et l'idée de départ était celle qui reste encore bien gravée dans les objectifs de l'association Osons Bio, permettre le développement du manger bio et local dans les cantines scolaires du territoire. Donc les cantines scolaires, mais pas que, puisqu'il existe aussi nombre de lieux d'accueil de personnes entre 0 et 110 ans sur le territoire. Donc voilà, l'idée c'est de se développer non seulement sur la restauration scolaire, mais sur la restauration hors foyer, donc la restauration de collectivité, et puis pourquoi pas la restauration traditionnelle et gastronomique. Voilà. En 2011, création d'Osons Bio, aujourd'hui cinquième année du Festibio, comment percevez-vous le développement et de l'association et du festival ? Alors, en 8 ans, il s'est passé énormément de choses. Alors, tout d'abord, l'idée a germé dans la tête de Jean-Paul Gady. Le travail a été effectué, donc un travail de rencontre, un travail d'apprentissage du territoire et des productions du territoire, mais pas que. Et puis, différentes rencontres qui ont amené Osons Bio à rencontrer une plateforme de producteurs qui à l'époque s'appelait Il Mange Bio, Il, le nom de la rivière. Oui. Et qui était basée à Saint-Martial-d'Artancé. Cette plateforme de producteurs regroupait des producteurs majoritairement du Montponnais et du Bergeracois, qui réunissaient leur production pour justement servir certaines cantines scolaires de leur secteur. Quelques producteurs avaient joint la démarche, et puis ben, les choses se passaient comme elles devaient se passer. Osons Bio faisant son chemin de son côté, à un moment il était inévitable que les gens se croisent, que les gens se rencontrent, que les gens échangent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi que Osons Bio est entré un petit peu d'un pas délicat dans la démarche de Il Mange Bio afin de voir ensemble ce qui était faisable. C'est David Boucard qui était donc dans le conseil d'administration de Osons Bio qui a intégré la plateforme Il Mange Bio afin de les aider dans une structuration plus importante de l'outil. Parce que Il Mange Bio est arrivé à un petit croisement des chemins, il fallait trouver quelque chose. Il Mange Bio est devenu Manger Bio Périgord. Manger Bio Périgord est maintenant une plateforme de producteurs qui regroupe une grosse trentaine de producteurs qui, chaque semaine, livrent la plateforme en produits frais et locaux et bio. Et qui, par cette plateforme, peuvent achalander les cuisines de collectivités principalement. Pas que, parce qu'il y a non seulement les cuisines des restaurants scolaires, des collèges, mais aussi les crèches de Périgueux qui sont devenues des clients de la plateforme, mais aussi des cuisines centrales, comme par exemple celle de Sarlat, des EHPAD. Et la plateforme se développe grâce à un schéma mis en place et grâce à un soutien du département, ce qui aussi a impliqué le changement de nom. Donc Manger Bio Périgord est soutenu par le département, mais aussi soutenu par la région dans ses actions, ce qui permet de contractualiser avec des producteurs. Contractualiser avec des producteurs, ça veut dire assurer des producteurs de revenus décents et suffisants par rapport à leur production, et assurer les producteurs d'écouler leur production. C'est-à-dire que si la plateforme contractualise
je vais dire n'importe quoi, 300 kilos de poireaux avec un producteur, le producteur est sûr qu'il aura vendu ses 300 kilos de poireaux. Mais, et c'est là où tout l'intérêt est présent, puisque je vous ai parlé d'un salaire correct et suffisant, c'est que les prix de vente, ou d'achat comme vous voulez, bon, les prix de vente pour les producteurs, oui, les prix d'achat pour la plateforme, sont décidés en commission par ces mêmes producteurs. C'est-à-dire que tous les producteurs de poireaux qui vont avoir contractualisé vont se mettre d'accord sur le prix auquel la plateforme va leur acheter les poireaux. Même chose pour les carottes, etc., etc. Ce qui permet non seulement d'organiser la production, d'assurer un revenu à chacun qui soit suffisant pour couvrir ses frais et lui permettre de gagner sa vie avec sa production. Voilà, les producteurs fixent les prix ensemble et la plateforme achète au prix qui est convenu, la quantité qui est convenue et au-delà. Oui, en fait, on revient à une véritable valeur du travail non détériorée par les grands groupes. Voilà, on revient à quelque chose qui est normal, c'est tout travail mérite salaire. Et donc, de plus, il ne faut surtout pas oublier qu'on est sur du bio local. Donc, qui dit bio local dit déjà moins d'impact carbone puisqu'il y a moins de transport. Oui. Mais quand on dit bio, il y a des bébêtes, vous savez, sous la terre. C'est-à-dire que, en fait, l'homme doit nourrir la terre pour que la terre nourrisse les légumes qui vont nourrir l'homme. Voilà. Alors d'ailleurs, j'ai une question qui pourrait, je pense, intéresser du monde. Qu'est-ce que le vrai bio ? Au-delà des produits chimiques et de la charte à respecter pour fabriquer du bio, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'impact carbone d'un produit est aussi une référence pour pouvoir le qualifier de bio ? Jean-François est plus calé que moi là-dedans, mais bon, moi j'essaye de contextualiser un peu ce que peut revêtir le bio. Effectivement, c'est aussi une philosophie de pensée d'être bio, de faire de l'agriculture bio. Quand je vois chez la grande distribution, évidemment, c'est emparé de l'objet bio, puisque c'est dans l'air du temps. Il y a du business. C'est comme la verdure, c'est dans l'air du temps la verdure. Hein, ah oui. Bon, quand on voit du bio venu d'Espagne, bon, moi je ne peux pas m'empêcher de penser aux travailleurs exploités, oui, tout à fait. Dans les serres par 40 degrés. Voilà, c'est ça, et là on retourne un peu voilà, sur ce que disait, les problèmes d'eau qui maintenant apparaissent en Espagne de manière extrêmement prégnante. Hein, le Tage est pratiquement à sec, la désertification des villages. Donc Jean-François a tout à fait raison de dire que le bio, et toi aussi d'ailleurs, c'est totalement local. Oui, c'est ça. Voilà. Et la juste rémunération de ceux qui y participent. C'est tout, ça, absolument, c'est ça. Absolument. Le bio, c'est surtout pas opposable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons bio et les méchants tradis. Non, non. On ne peut pas dire aujourd'hui à un agriculteur qui arrive à la retraite, ou proche de la retraite, et qui a passé sa carrière à exploiter ses terrains d'une certaine manière, lui dire « t'as tout faux, mon gars », parce que qui on est pour lui dire ça ? Par contre, on peut expliquer à ses enfants et à ses petits-enfants que s'ils veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants continuent à vivre sur terre, il va falloir faire attention et cultiver la terre et non l'exploiter. Voilà. C'est d'où l'homme nourrit la terre pour permettre à la terre de nourrir les légumes qui vont nourrir l'homme. Alors pensez-vous qu'il y a une évolution des consciences dans le monde agricole, mais également dans la société civile en règle générale ? Une anecdote. Moi, je suis enseignant au collège. Un jour, il a été décidé d'utiliser des produits bio. Voilà. S'il n'y a pas un message qui est passé, une attitude qui va avec, ça ne marche pas. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que les enfants et les adultes sont de plus en plus réceptifs à ce message. Il y a aujourd'hui sur le territoire des municipalités qui ont choisi de mettre à disposition de gens qui veulent cultiver des terrains afin de les cultiver en bio. Là, mon regard se tourne vers Madame le maire de Chassaigne en particulier, qui a mis à disposition de personnes candidates des terrains afin de les cultiver en bio. Et donc, on a des maraîchers qui s'installent en bio. Ça veut bien dire qu'il y a des responsables locaux qui prennent en compte la démarche, et ça veut bien dire que la démarche, elle change et que la démarche arrive. Quelles associations seront présentes sur le festival ?
Il y a plusieurs assos, donc IFF qui est une asso qui défend la biodiversité, mais de manière locale, entre autres. Il y a le mouvement Nous voulons les coquelicots, que peut-être des auditeurs connaissent un peu. Donc ça a l'occasion de que les coquelicots du Ribéracois, un petit groupe, mais oui. Bon, qui commence, hein, qui va rencontrer les coquelicots de Périgueux dans un stand. Il y aura Agrobio, une naturopathe, la Smectom, le Café Pluche, lui associatif aussi, la conférence d'une infirmière Céline Coupeau qui pourra parler un petit peu de l'alimentation, comment mieux s'alimenter, comment essayer de manger un peu plus sain, un dessinateur, Jeff Vivant, enfin voilà, donc un aéropage de personnes. À quelle ambiance peut-on s'attendre alors pour ce 29 juin ? Bon, d'abord, c'est de manière générale, c'est quand même un moment pour y avoir participé extrêmement convivial. D'abord, c'est du plaisir aussi, hein, le bio. C'est pas que, voilà. Hein, c'est du partage. Voilà, c'est du partage. Donc, il y a plein de choses. Il y a des animations, il y a des producteurs bio. On peut y goûter des choses. On peut passer un très bon moment en famille, avec des amis. Il y a des ateliers pour enfants, pour adultes. Il y a des assos qui sont là. Donc, dans les dépendances du château de la Méphrénie, d'abord, il y a du plaisir, de la rencontre, du partage. Nous proposons à tous les visiteurs de s'enrichir de rencontres, de s'enrichir de dégustations, de s'enrichir de découvertes, de s'enrichir d'expériences. Alors merci à vous. Un dernier petit mot pour conclure pour nos auditeurs. Pour conclure, moi je dirais que si on ne sait pas ce qu'est le Festibio, il nous manque quelque chose. Donc venez, et si vous savez ce qu'est le Festibio, revenez samedi 29 juin à partir de 16h à la ferme de la Méphrenie, ferme modèle de Verteillac. Je ne peux qu'inciter, comme le dit Jean-François, eh bien, à sortir de chez soi et de venir passer un moment en famille, entre amis, dans ce festival et repartir très content. Très bien, mais écoutez, je vous remercie tous les deux d'être passés par les studios de Sous la Canopée. Et puis je vous dis à très bientôt et en tout cas au 29 juin pour le Festibio. Merci à vous. Merci. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.